Nous remercions le Seigneur pour grâce qu'il fait nous. Semaine dernière, nous étions dans une semaine côté que nous avons eu un réveil. Et à ce soir, nous reprenons l'étude biblique. Et pendant que nous remercions le Seigneur pour grâce qu'il fait nous, du fait que nous avons eu plusieurs bonnes soirées dans la parole. Et n'a regardé pour nous est-ce que soirée ça yo porte résultat dans mitan nous réveil c'est pas pendant réveil la fête que réveil la fête c'est après réveil la pour voir si réveil a été fait est-ce que le bail résultat à soya nous pour aller étudier parole bon Dieu et ça n'a pas étudié à l'y adapter avec moment que nous pral trouver nous en face li pas oublier nous pral n'a pas approché de ça nous relé communément semaine sainte mais semaine sainte là c'est pas semaine donc besoin sainte c'est petit bon Dieu yo qui besoin et gagner conduite ça moi seulement m'a invité au soir pour tourner dans passage ça. Et puis à partir de passage là, moi va annoncer au qui ça que n'a pas étudié. Moi dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Aussitôt que rejoignez-ni, moi va faire lecture là pour moi-même. Éphésiens chapitre 5. Et à ce soir nous pral étudier sujet ça l'église face à la croix. L'église face à la croix. C'est ça que sujet nous pour assoir. Et m'appeler pour même dans Éphésiens chapitre 5 verset à partir du verset 25 et arriver dans verset 27. Éphésiens 5 verset 25. Rivé dans verset 27. OK, mais qui ça que le dit? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, qui sont encore sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bon, et l'un a approché de semaine sainte, l'un a approché de commémoration. De la crucifixion de Jésus-Christ, c'est surtout au moment de réflexion que lié, au moment de réflexion et d'évaluation. Parce que gon le pour la croix, gon le pour nous garder la croix, gon le pour la croix garder nous. Après dit-il encore, gon le pour garder la croix, pour garder vers la croix. Donc garder vers la croix, c'est garder ça Jésus-Christ a fait pour te sauver. Li bay sang mais gon moment crivé qu'on y a le fait que Jésus-Christ bay sang lera chaque année l'en commémorer c'est pas Christ qui au monté sous quoi chaque année l'en a commémorer crucifixion Jésus-Christ et après résurrection c'est la croix qu'a gardé nous et le la croix gardé nous la croix a dit nous qui ça nous fait avec sacrifice ça. Maintenant, passage que nous sommes liés là, dans Éphésiens 5, et nous surtout voulons mettre l'accent sur le fait que, il dit, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pas oublier, Ecclesia, groupe Mounsayo, bon Dieu, retiré de yo, pour yo vin tourner Mounpal, Ecclesia. Et c'est l'église là groupe mon Dieu
Et en Jésus-Christ, Ecclésia a vint possible. C'est Jésus-Christ qui permet que bon Dieu joigne, bon Dieu choisit groupe moun palio. Ou connaît et pas gain doute non que Jésus-Christ qui t'est venu pour te sauver nous. C'est vrai Jésus. Pas gon l'autre Jésus. Toute prophétie qui t'est bail sur Jésus depuis l'Ancien Testament 500 ans 700 ans avant Jésus-Christ vienne sous terre. Il a tout accompli le Jésus venu. Par exemple, Bible a te dit Jésus-Christ est né d'une vierge, il naîtra d'une vierge dans Isaïe 7 verset 14. Prophétie ça accompli dans Matthieu 1 verset 22 23 lorsque ange l'a dit Marie voici la vierge sera enceinte elle enfantera un fils. Ainsi, prophétie concernant naissance de 700 ans, Isaïe était prophétisé ça. Avant le fait, il est accompli. Alors, il recevra le trône de David dans Isaïe 9, verset 6. Alors, 7, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais prophétie ça, il est accompli en Jésus-Christ. Dans Luc 1er, verset 31-32, prophétie Esaïe 9, verset 7-8, là, l'est accompli. Ainsi, il naîtra d'une vierge, il recevra le trône de David, et puis son trône sera éternel. Daniel 2, verset 44, t'es prophétisé que trône Jésus est un trône qui est éternel. Et dans Luc 1er, verset 33, qui ça que nous joignent? Nous joignons effectivement que le Christ fait, et il est un fait que il décrit son trône qui est éternel. Dans Isaïe 7, verset 14, il était prophétisé que Jésus-Christ sera appelé Emmanuel. Isaïe 7, verset 14. Eh bien, 700 ans après, dans Matthieu 1, verset 23, Matthieu 1, verset 23, qui sa ange l'a dit Marie, on l'appellera Emmanuel. C'est pour tout ça, Abdoulala, c'est pour qu'on comprenne que ça fait Jésus à son mari sérieux, et pas fiction, non, c'est fait. Prophétie accomplie dans naissance li. Et on apprend que la Bible a été même dit dans Isaïe 40, verset 3, et il te dit que l'a un précurseur, impliqué grand monde qui vient annoncer qui le l'a venu. Effectivement, dans Luc 1 verset 76, dans Matthieu 3 verset 1 à 3, Jean-Baptiste, ce précurseur là, Bible a été prophétisé que Jean-Baptiste a un précurseur, c'est un homme qui vient dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le sentier du Seigneur. Ainsi, c'est pas un jouet. Et puis en plus de ça, il était prophétisé que Jésus-Christ tapné à Bethléem. Et dans Michée chapitre 5 verset 1er, 500 ans avant Jésus-Christ né à Bethléem, prophétie a été en bail que le tapné à Bethléem. Et dans Matthieu 2, verset 5, vient verset 6, on apprend que Jésus-Christ est né à Bethléem. Prophétie bail, il sera adoré par les mages et recevra leur présent. Dans Psaume 72, verset 10, prophétie a été bail. Psaume 72, verset 10, c'est fait qu'on est que Jésus-Christ, mage ou gen pour adorer, et a bina avec présent yo. Et Noé prophétia l'est accompli dans Matthieu 2 verset 11 lorsque Marie sortit en Orient yo vini côté Jésus t'est fait là pour yo adorer lui. Ou connaît te gain prophétie que t'est bail qui te dit que les Jésus-Christ fait li t'est gain pour le passé yon temps un certain temps en Égypte hein qu'il passera un certain temps en Égypte et
dans Osée, chapitre 11, verset 1er, et il y a une prophétie sur ça. Et là, on lit Matthieu 2, verset 15, nous joignons que la prophétie a l'accompli. Où sont les Hérodes t'as cherché pour touiller tous les premiers-nés qui gagnent au moins 2 ans en façon pour être capable de touiller Jésus. C'est un bon Dieu, voyons, ange dit Joseph, prends petit là, qui ça pour te faire avec lui? Descend en Égypte. Regardez, pareil, ça est important pour nous rappeler, parce que il y a des gens qui ont oublié que tout, pas grand rien Jésus-Christ fait, pas grand prophétie qui te fait qu'on est que ça t'a pas le fait. Ainsi, là où Jésus-Christ est en Égypte, ce n'est pas seulement par hasard en Égypte avec parents de l'été petit. T'es une prophétie concernant ça. Prophétie a été dit tout que les petits enfants de Bethléem seront massacrés lorsque Jésus-Christ fait en bas persécution Hérode. Son prophétie qui était bâillée dans Jérémie 31, verset 15, et qui parlait concernant Rachel qui pleure ses enfants parce que Timonio mourit. Et prophétie s'est accomplie dans Matthieu 2, versets 17 et 18, lorsque un paquet de Timon mourit, les Hérodes ont cherché pour tuer Jésus. Regardez, ce n'est pas 200-300 Timon qui mourit. Josephus, qui est un historien juif, qui a écrit dans la période, qui écrit l'histoire des Juifs, dans ça que le quitté, lui fait qu'on est que Hérode t'a massacré Timon qui égale à plus que 60 000 Timon, oui, dans chercher pour tuer Jésus. Et si c'est parti qu'à se causer. Esprit, on est 7, c'est chiffre plénitude. Eh bien, propre prophétie ça accompli, lorsque dans Luc 4, verset 18-19, Jésus-Christ paraît dans la synagogue là, et puis, il prend ou l'eau, il fait Esaïe, il fait lecture, après ça, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les opprimés, etc., etc., etc. C'est pas qu'à se causer. Et prophétie te bail que Jésus-Christ, il guérira beaucoup de malades. Il guérira beaucoup de malades. Dans Isaïe 53, verset 4. Et dans Matthieu 8, verset 16 et 17, nous voyons que Jésus-Christ est guéri. En pile malade pendant le ministère. Et prophétie te bail également dans Isaïe 9, verset 1 à 3, que Jésus-Christ t'a témoigné en pile compassion à l'endroit des païens. Là, on prophétie qu'on s'en débaille que Messie, qui sont juifs, t'a pris le témoignage en pile compassion à l'endroit des païens. Il y a des gens qui n'ont pas d'accord ça, mais on apprend que dans le ministère de Jésus-Christ, il y a un pile païen qui t'a approché de lui. Jésus-Christ a eu compassion de lui-même. On est capable de lire ça dans Matthieu 12, verset 17 et à verset 21. Jean gen païen qui approche l, de gen compassion pour yo. Prophétie te bay tout, dans Esaïe 6, verset 9 et 10, que le Messie a venu, il a parlé en pile en parabole. Il parlera en parabole. Laissez-le Jésus qui a parlé en parabole. Et pas comme ça, non. Prophétie te dit que c'est comme ça qu'il a parlé. Et là, on lit Matthieu 13, verset 10, rivé dans verset 15, ou après, dans chapitre 5, pile parabole Jésus-Christ baille, il tout dit, mais pour qui ça, lui parler en parabole.
prophétie te bail tout, c'est dans Isaïe 53, qu'il sera rejeté par les siens. Isaïe 53, dans verset 3. Isaïe 53, verset 3, te dit, te prophétisé que Jésus-Christ vini, même mon côté que sorti, yo propre juif par Elio, pas pour ce voile. Il a projeté. Eh bien, prophétie a accompli. Dans Jean 1er, verset 11, c'est qui ça qu'on lit. En parlant de Jésus-Christ, la parole, elle est venue chez les siens, qui ça reste là dit. Les siens ne l'ont point reçu. Ces mêmes paroles-là que nous jouons dans Jean 7, verset 5. Mon propre monde, la caille Jésus-Christ, propre nation, le rejeté. Ça m'a dit à la l'essentiel, oui. Jésus, c'est pour Jésus qui en paraît et puis pour connaître le ça, c'est le paraître, l'homme qui a dit, oh, a passé lui. Non, prophétie, aidez-nous, authentifier, c'est Jésus ça même. Jésus qui est venu, c'est vrai Jésus. Parce que prophétie concernant Jésus qui est venu, il a accompli dans l'essence lui. Même dans l'entrée triomphale, il était prophétisé qu'il fera une entrée triomphale dans Jérusalem. Au compte qui prophétie qui était parlé de l'entrée triomphale là, ça rentre que tu fait dimanche à moi, c'est dans Zacharie 9, verset 9. C'est passage qui dit comme ça que Jésus-Christ, sa Messie, a monté sur un anon, sur une âne, le petit d'une ânesse. Prophétie a été en bail que Jésus-Christ a pour entrer triomphal à Jérusalem. Dans Zacharie 9, verset 9. Nous comprenons ça. On prophétie qui bail plus que 500 ans avant l'arrivée, oui. Et puis prophétie a accompli dans Matthieu 21, verset 4 et 5. Côté que Jésus-Christ, voyez disciples à chercher en bourrique, hein, jour dimanche à moi, l'imouté bourrique là, et puis l'apprendre triomphalement à Jérusalem. Et si rentrer à cette entrée prophétique, et même bourrique là, dis-moi qui bourrique l'idée. En bourrique prophétique. Anza, bourrique ça, il n'y a pas de gens qui connaissent que le tabral rentre dans prophétie. Pas grand rien non qui que nous devons prendre à la légère. Prophétie te dit tout que Jésus-Christ recevra la louange des petits-enfants. Il recevra la louange des petits-enfants. Au lit dans Somme 8, verset 3. Somme 8, verset 3 dit comme ça. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Écoutez, le Jésus-Christ fait rentrer triomphal à Jérusalem. Dans Matthieu 21, verset 16. Qui sont en écrivé? La Bible a dit, si mon yon entend là, hein? Il t'a crié, il t'a fait l'orange, et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au fils de David, Timounio, oui. Et puis, prophétie te dit tout que, en parlant du Messie, il sera la pierre angulaire rejetée. Dans Somme 118, verset 22-23, nous on lit ça très souvent. Côté qui dit comme ça, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, cette prodige à nos yeux. Et puis c'est ici la journée que l'Éternel a faite qu'elle soit pour un sujet d'allégresse et de joie. Ça a été son prophétie que l'était. Dans Somme 118 là, prophétie ça a accompli. Dans Matthieu 21, verset 42, nous voyons que et Mounio commençait à rejeter Jésus. Et ça prend l'abouti à crucifixion. Et lorsque le dit la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, je dis à Kalnouyo, il reposait sous poteau. Et maintenant, dans la construction, dans le temps ancien, non seulement tu as un poteau, mais tu as une pierre, les pierres de l'angle. Pierre de l'angle là, sont pierres spéciales, côté que toute force qui est là, reposait sous pierre ça. Et peut-être ça, c'est la pierre de l'angle. Ainsi, il a comparé Jésus-Christ à la pierre de l'angle. Et là, il y a avec ça, on est capable de comprendre mieux. Lorsqu'il dit comme ça,
la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Donc, est devenue la principale de l'angle. Ça qui veut dire que, wash que moun qui t'a bâti, yo te rejeté, ya, yo retiré nan muraille là, hein? Yo retiré nan muraille là, eh bien, c'est gade, regardez, wash yo retiré nan muraille là, li tourne nan muraille là. Ça qui veut dire que, le retiré nan muraille là, c'est lorsque le te cru si fier, le tourne nan muraille là, ajouté reste à moins classe. Et le ressuscité, et puis il dit, est devenu la principale de langue. Et puis, verset à tout dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. Et puis il dit, c'est un prodige à nos yeux. Qui est ce prodige là? Le fait que, roche là que c'est Jésus, ou pierre de langue là, de tourner dans la muraille là. Et puis il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. L'on appelle Bibou, faut dire tout. Quelle journée? Hein? Il a fini la pierre qu'on était ceux qui bâtissaient. Est devenu la principale de l'angle. Le fin dit angle là, je dis, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Quelle journée? C'est journée, roche là, tourne dans muraille là. Journée, Christ est ressuscité là. C'est la journée que l'Éternel a faite. Il n'y a pas là avant. Et puis il dit, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Son mon a demandé qui côté chrétien yon jouen dimanche yo? Hein? Qui côté yon dimanche nous? Son dimanche prophétique. Depuis dans Somme 118, tu as une prophétie, Jean bon Dieu t'a préparé journée ça. Cette journée, ce n'est pas le sabbat. C'est la journée de la résurrection, la journée que l'Éternel a faite. Somme 118, verset 24. Et puis, plus belle encore, 1 Corinthiens 5, verset 7, appuyer vérité ça. Côté que l'apôtre Paul dit comme ça, Christ, notre Pâque, a été immolé. Après ça, il dit, célébrons donc la fête. Vous captez? Ainsi, l'homme et un petit bon Dieu a pas adoré Seigneur dimanche. Ce n'est pas un simple jour, non. C'est une journée prophétique. C'est une journée côté que la pierre, quand on était ceux qui bâtissaient, est devenue qui ça? La principale de langue. C'est une prophétie que le dit. Bible a été prophétisé que les gens ne croiront pas à ces miracles. Dans Isaïe 53, verset 1er. Mais dans Jean 12, verset 37-36, nous joignons que Mouniote Ose dit que c'est pas Bélial que Jésus-Christ fait miracle. Ça mon Dieu capable, oui. Mon Dieu dit que c'est pas puissance Satan Jésus-Christ fait miracle. Ça est-ce qu'on connaît Bible a été prophétisé que son ami le trahira pour 30 pièces d'argent. Comme Judas te prend pour trahir Jésus. Son corps prophétique, oui. Dans Somme 41, verset 10, fait 1. Dans Somme 55, verset 13-15, fait 2. Deux côtés de nouvelle corps là. Mais troisième côté de nouvelle corps là encore. Dans Zacharie 11. Verset 12-13, c'est le troisième côté qui fait qu'on est que Judas a pris le trahir Jésus pour combien de robes? 30 pièces d'argent. La Bible a dit 30 pièces d'argent pour prophétie à accomplir, pas qu'à 35, non? L'on prophétie à accomplir, pas qu'à approximatif. Si prophétie a dit, il y a vendu pour 30, là, il y a vendu pour combien de vendu? 30. Effectivement, le Judas vend Jésus dans Matthieu 26, verset 14, hein? Verset 14 à 16. Le Judas vend Jésus, pour combien de temps 30. Ça dit là, c'est pour capable comprendre que Jésus observe un vrai Jésus. Pas un autre Jésus qui accomplit la prophétie. Ainsi, le Judas vend, pas oublier, c'est Judas qui fait affaire. Judas fait affaire. Pas essayer de pitié pour Judas. Judas trahit Jésus. De quitter Satan, rentrer dans lui. Comme bon Dieu omniprésent, de omniscient, il te gagne temps, ouais, ça Judas va le faire. Et bien Judas rentre dans la prophétie. Et comme bon Dieu omniscient, de omniprésent, il te gagne temps, ouais, qui va le corps Judas va le demander. Et bien va le corps là rentrer dans la prophétie. Nous captez?
Ainsi, pas chercher une pitié pour Judas. Judas fait affaire pour contre lui, mais c'est omniprésence, omniscience, bon Dieu qui permet que Judas rentre dans la prophétie, avec tout comme l'évangile Jésus. Hein. Prophétie te dit que Jésus qui sera appelé l'homme de douleur, dans Isaïe 53, verset 3. Mais dans Matthieu 26, verset 37 à 38, nous voyons qu'il souffre vraiment. C'est l'homme de douleur. L'homme de douleur. Et pas qu'il souffre, non? Physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, Jésus qui souffrit. Jésus qui souffrit. Dans le jardin de Gethsémané, avant qu'il y allait à la croix, pendant la prière, il dit, papa, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais que, la, que ta volonté soit faite. La Bible dit comme ça, Jésus-Christ prend suer. Et sueur lui retourne des grouillements de sang. Léo fait étude médicale sur ça que fait sueur Jésus-Christ tourne des grouillements de sang. Il joint que Jésus-Christ a subi une pression intense avant d'aller à la croix, que les manqués font stroke. Les manqués font stroke. Si venir commence à éclater, passer dans le poli, sueur lui vient contourner des grouillements de sang. Ennemi a tapé chercher tout Jésus avant d'aller à la croix. Si Jésus qui se manquait mourir avant d'aller à la croix, et nous perdu, oui, parce que objectif prophétique là, c'était pour te aller à la croix. Ouais, jusqu'au ennemi a allé pour tuer Jésus. Et prophétie a pas dit que son stroke qui tape tout elle. C'est à la croix pour le mourir. Bible a te dit que il sera appelé l'homme de douleur. Bible a te prophétisé tout. Il sera abandonné par ses disciples. Le disciple a abandonné Jésus. C'est pas un accident. Zacharie 13, verset 7. T'es qu'entendu, il n'a pas abandonné. Zacharie 13, verset 7. T'es qu'entendu, il n'a pas abandonné. L'idée, oui, pendant 3 ans et demi, il y a 12 nègres qui ont marché derrière, ils mangent avec eux, ils boivent avec eux, ils donnent un côté avec eux, ils ont tout miracle, ils ont tout démon qui chasse, etc. Et puis, nan, à la fin, ils ont trahi, et puis 11 abandonné. Mais quand on a des gens qui ont parlé pieds mal, pas un problème, parler pieds mal. Mais après, parler pieds mal, mais si on a qui était long et puis pour couper nos oreilles, c'était bien ça. C'était bien. Si on a qui était gardé, puis ouais, qui côté mené Jésus, c'était bien ça. C'était Pierre. Il était roué, il est vrai. 3 fois, vous comprenez? Mais, la réalité, c'est que, monsieur allé pour un côté mené. Pendant tout le temps, il a le caché. Tout bête dans la main mordée, à passé. Il y a quelqu'un qui peut mauvais, non? Hein? Pas les pieds mal, mais seul disciple qui a dit il était marché sous de l'eau. Au cas où il dit ah, mais il était plongé, ou il était marché sous de l'eau même. Vous comprenez? Il était pas de la foi, il était plongé. Moi, je suis sûr que les pieds plongés, Jésus qui serait marché sous de l'eau à cause de manque de foi. Moi, je suis sûr que l'autre compagnon lui peut-être te prend ri. Et ah, et Pierre, mon cher, comment, monsieur? Tout baisé, vous comprenez? Mais la réalité, c'est que Pierre, il y a témoignage qu'il te fait un coup de marché sous de l'eau. Prophétie te baille que disciple t'a abandonné dans Zacharie 13, verset 7. Effectivement, dans Matthieu 26, verset 31-56, l'air vient arrêter Jésus, il a passé. Il a tout couru. Il a allé quitter Matthieu 26. Verset 31 à 56. Prophétie te baille qu'il sera frappé et sera l'objet de crachat. Là, il crache dans la figure de Jésus et ton crachat prophétique. Abdou, il y a des choses qui sont fortes, réfléchir. Il y a quelques choses qui arrivent. Il faut bien penser que c'est prophétie qui va accomplir ça. Nous réussissons à comprendre. Il y a des choses qui arrivent, nous, ce n'est pas. Pas accident, yon rive. Bon Dieu, où est la vie, nous, depuis avant de commencer à vivre. David dit dans Psaume 139, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre était tous inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existât. Ainsi, il y a des choses qui arrivent, nous, les arrivent, nous vraiment abattus, mais
Bon Dieu, tu as connu. Hein? Il a craché dans la figure de Jésus, mais craché à tes prophétiques. Pour quelle raison? Dans Esaïe 50, verset 6, Esaïe 50, verset 6, on craché il y a 700 ans. Oui? 700 ans pour cracher, fait, oui. Cracher pour rejoindre, fait, non. Donc, il n'a pas compris. Est-ce que nous essayons de comprendre? 700 ans, on craché à tant de boules, fait. Pour cracher ça, tomber dans le visage de Jésus. Cracher à beaucoup, fait. Ouais, quand il m'a même cracher à prophétie. T'as une prophétie derrière lui. Effectivement, non. Et l'on lit dans Matthieu 26, verset 67. Ça a passé. Il a craché dans la figure de Jésus. Matthieu 27, verset 36. Mettez devant nous encore le fait que il a craché dans le visage lui. Mon autre encore. Bible a été prophétisé que l'argent de sa trahison servira à l'achat d'un champ. Bible a été prophétisé que l'argent, yo t'apprend le trahi Jésus, il t'apprend utiliser l'argent puis acheter ton terre. Bible a été prophétisé ça, oui. Et dem non. Pour combien combien on a été trahi? Ah, n'oubliez combien? Dans le monde dit 35. Et 30, oui. 30. Et dans Zacharie 11, verset 12 et 13, l'Éternel t'a prophétisé que l'argent, il a trahi Jésus, il a pris, il a acheté un morceau de terre avec elle. Ça arrive effectivement dans Matthieu 27, verset 9 et 10. Matthieu 27, verset 9 et 10, les Judas viennent de mauvaise conscience. Lui, elle trahit Jésus. Là, aller, là, le remettre comme là. Là, le remettre comme là. Voyez comme là, Baïbonne, sacrificateur, etc., qui était derrière complot pour arrêter Jésus. Monsieur dit comme ça, ah, nous ne pouvons pas prendre l'argent ça pour nous mettre dans la caisse encore. Ça y est, l'argent sans. Yo prend l'argent, yo achète un bout de terre avec, yo chant avec, que le chant du potier. Bagay sa le rappelo yo faut comprendre que son Jésus solide, prophétie accomplie sous lui. Et puis Bible a été prophétisé que Jésus-Christ a crucifié dans mi temps combien malfaiteur et de non. Mon temps on dit 4. Était 2. Puis quand pas ces blagues non gon monite c'est col dimanche cap enseigner ti moun petit. Il dit ti moun yo comme ça. Acheter mouton pied mango. Comment c'est blague? Vas-y, un pile de dégâts, il veut l'église. Zaché mouton pied mango. Comment va la vie prendre la rue? C'est si mon cal récite salte dans l'école du dimanche. Bah, il parle. Il dit, ah, Zaché, souhaite top et mango tree. Pound saisie. Vous comprenez? Et si vous avez un peu de monite devant Timon, mais Timon n'a pas vu, il nous tout. Tout ça, il attendait, il bral dit là, Kayo, en tout cas, Zaché, pas de mouton pied mango. Et ton sycomore. Alors, quelqu'un qui était passé ton pied Zabouka? Non, et ton sycomore, ok? Maintenant, la Bible a été prophétisé que Jésus-Christ sera crucifié en deux malfaiteurs. Où on côté ça a été prophétisé? Esaïe prophétisé, dans Esaïe 53, verset 12. Ça a bon pour qu'on ait. Esaïe 53, verset 12. Tu fais qu'on ait que Jésus-Christ a crucifié dans le temps deux malfaiteurs. Et nous songeons qu'effectivement, il était crucifié dans mi-temps de brigands. Et prophétie s'est accomplie dans Matthieu 27, verset 38, et Marc 15, verset 27-28. Il fait comme ça encore, on l'a évangile. Et Luc 22, verset 37, fait comme ça. Ainsi, dans trois évangiles, ils ont témoigné que Jésus-Christ mourut dans mi-temps. Deux brigands, deux malfaiteurs. Et prophétie Gentan Baytou, on lui présentera du vinaigre à boire. Prophétie de l'a crucifié, il y a balboué vinaigre. Vinaigre. Et d'après Psaume 69, verset 22. Psaume 69, verset 22. Très souvent, l'a crucifié mon nan époque Jésus. Crucifixion était tellement dur, il était campé tellement souffrance. Yo kon bay moun y a crucifié a onti vinaigre
juste pour le capable apaiser souffrance là. Et parce que vinaigre là t'es propriété ça. Parce que Jésus qui te dit j'ai soif. Mais elle était soif là, était bon, vraiment de l'eau elle était besoin. Yo bal vinaigre, mais elle refusait vinaigre là. À l'histoire après, il refusait vinaigre là. Pour que ça on elle refusait. Parce que Livin pour souffrir, l'a souffri sans remède. Ça est important pour noter comme des faits. Les affaires vinaigre là, son vinaigre qui là depuis Psaume 69 verset 22. Depuis Psaume 69 verset 22, pour ben on vinaigre. Hein? Jusqu'à côté où on est vinaigre là-bas. Jouk dans Matthieu 27 verset 34 à 48, dans Jean 19 verset 28 30. Et n'a pas les concernant et plus que 400 à 600 années avant ça t'es prophétisé et réalisé prophétie t'es bail tout il aura les mains et les pieds percés les percés mains Jésus à pied et pas dans accident t'es une prophétie qui te baille pour ça. Par exemple, l'on dit dans Psaume 22, verset 17. Psaume 22, verset 17. L'on dit dans Zacharie 12, verset 10. Il parle concernant yo t'a percé mel, yo t'a percé piel. Et prophétie a accompli dans Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34. C'est dans la prophétie malé, oui, pour ça, Ephésiens 5, verset 25, là, dit. Comment l'étude a commencé? Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Prophétie, t'es bail que l'a livré pour l'Église et livré tête pour l'Église. Ainsi, prophétie que Mel à pied le Perséa l'a accompli dans Marc 15, verset 25. L'accompli dans Jean 19, verset 34-37. L'accompli dans Jean 20, verset 25-27. Écoutez donc. Prophétie te baille que ses vêtements seront partagés et tirés au sort. Nous songez, le Jésus-Christ était sur la croix. Yo soldat ou mais yo prend radli. Y a fait tirage au sort pour qu'on ait qui l'escape gen radla. Et pas par accident, non? Pas accident. Parce que dans Psaume 22, verset 19, prophétie te dit que ses vêtements seront partagés et tirés au sort. Et prophétie a accompli dans Matthieu 27, verset 39 à 44. Rat Jésus a, yo la gueule dans bolette, yo la gueule dans tirage au sort. Jean prophétie à Tébaï là, dans Psaume 22, verset 8-9, il est accompli dans Matthieu 27, verset 39 à 44. Talem de dos, il était Jésus qui vinaigre. Prophétie te dit que l'un sous quoi il aura soif. Dans Psaume 22, verset 19. Effectivement, lorsque Jésus qui est sur la croix, dans Jean 19, verset 28, li pousse écrit ça qui culteye j'ai soif prophétie te bail il remettra son esprit à son père prophétie ça a été écrit dans Psaume 31 verset 6 on prophétie qui te dit que le messie va sous quoi il remettra son esprit à son père. Qui soit qu'on écrivait? Eh bien, prophétie ça accompli dans Luc 23. Dans Luc 23, verset 46. Et c'est une parole Jésus-Christ prononcée sous quoi? Nous sommes les paroles là, lorsqu'il dit, Père, qui ça? Je remets mon esprit entre tes mains. Mais, presque fermé prophétie.
On est grand prophétie que tu bailles dans Somme 34 verset 21. Il dit ses os ne seront pas brisés. Ses os ne seront pas brisés. Dans Somme 34 verset 21. Alors, verset 21. Gon équipe parole dans Somme, nous prenons pour nous alors que c'est pour Jésus. Faut veiller. Prends ça pour nous qui texte ça pour Jésus. Dans Somme 34 verset 21, c'est pas tiré comme ça. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel dans le livre, toujours. Gen moun ki fin li pati sa, y'oublie pati ki pi ba. Yo di, sortez, ou pas de sa Bible a dit? De pou se petit bon Dieu, malè pa ka rive ou. De pou se petit bon Dieu, malè pa ka, pa ka, pa ka, pa ka rive ou. Yo rap ak vese a. Et bien, si yé sa Job pat petit bon Dieu. Malè malè pa se sou Job. Ou ka kontrole malek pa se Job. Fò nou suspann, mette sizo nan versè. Mette sizo nan versè ve di, ou koupe yon versè, ou pa gade ki sa an lè a te di, ni ki sa an ba a di. Versè sa li pa aplike a nou menm, li aplike a Jésus, sa k fè nou kon sa. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel nan délivre toujours. Gade sa k pi ba. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Son prophétie qui vient pour avec Jésus lorsque elle était sous quoi pour activer l'en mort tout crucifié yo, parce que sabbat t'as pas arrivé yo t'as pas descendu sous quoi il était activé l'en mort yo soldat ou mais aller li couper pied li casser pied l'autre malfaiteur yo deux malfaiteurs yo. Parce que l'on casse ses pieds, sans couler rapide, il mourit plus vite. Mais la Bible a fait qu'on est. Dans Jean 19, verset 33-36, Jean 19, verset 33-36, les soldats ont mis en paraît. Lui, ouais, Jésus qui était en mourir, était en mourir. Mais pour l'assurer qu'elle mourit, il prend épée. Il transperce Jésus-Christ du côté gauche. Ça que nous connaissons, c'est parce que la Bible a fait connaître que sang et de l'eau sorti. Ça que fait sang et de l'eau sorti, théologiens et docteurs mettent ensemble pour faire connaître que l'épée a traversé le cœur et traversé le poumon. Et ça que sang et de l'eau sorti. Et c'est pour t'assurer qu'elle est mort. Et si avec ça, soldat ou bien assuré que le mourir, Bible dit c'est ça que fait, yo pas de coupé. Casse pied parce que c'est ton bail prophétique qui t'est écrit, qui sa prophétie t'a dit aucun de ses os ne seront qui ça brisé. Pas mon pas joie prophétie. Et si puis faut nous veiller verset tout mon a coupé avec ciseau. Vous comprenez? Tant que verset ça, ça qui pour avec Jésus. Et puis mettre deux trois encore avant que mal dans ça nous aller à. Bible a te prophétisé que les passants le regarderont mourir. Zacharie 12 verset 10 t'a expliqué gon paquet monde qui t'a pral garder la mourir et yo t'a gagné yo t'a pral moquer gagné yo t'a pral saisir dans Zacharie 12 verset 10 et nous est ça accompli dans Jean 19 verset 37. Jean 19 verset 37. Et nous, elle écrit tout, non seulement dans Jean 19, verset 37, nous, la Bible a souligné ça tout dans Matthieu 27, verset 36. Matthieu 27, verset 36. Oh, mais toi, alors, encore moi. Toi, alors, ça, bon, toi, dernier, bon, pile. Attaché Saint-Jean. Bible a été prophétisé que le Messie sera enterré avec le riche. Il sera enterré avec le riche. Dans Ésaïe 53, verset 9, il était prophétisé que tombe Jésus, la pion tombe, côté riche enterré. Effectivement, les Jésus qui se mourit, il y a un richa. C'est comme ça que les nègres riches en créole, un richa. Et il y a Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, nous comptons hein? Li même avec Nicodème, il a demandé Pilate quoi Jésus. Et puis Joseph d'Arimathée était qu'on tombe tout neuf.
tombe tout neuf là, parce que jamais rien monde qui est enterré là-dedans. Tombe tout neuf. Et c'est là qu'il te mette Jésus, un homme riche. Nous, prophétie s'est accomplie dans Matthieu 27, verset 57-60. Dans Matthieu 27, verset 57 à 60, Joseph d'Arimathée prend Jésus, il mette le nom tombe tout neuf. Mais combien de temps Jésus qui sera passé là-dedans? Combien de temps? Trois jours, trois nuits. Bon, strophe, yon chant que m'écrit. Et strophe là dit comme ça, en parlant de Jésus-Christ, la tombe où on le mit n'était même pas à lui. Il n'allait pas y rester. Et puis, dans deux dernières phrases, chant, dit comme ça, le Jésus-Christ mourit, la cause de Joseph d'Arimathée. Alors, c'est dans mon imagination, il dit Joseph d'Arimathée, merci pour ces trois jours. Voici, je vis pour toujours. Ça, il aime des fois. La tombe où on le mit n'était même pas à lui. Il n'allait pas y rester. Joseph d'Arimathée, merci pour ces trois jours. Voici, je vis pour toujours. Ouais. Si manque ta foi, qu'on s'en comme ta bonnette. Mais, l'aura de bien, Jésus-Christ prête ton nom pour combien de jours? Trois jours. Et puis, il remet Cléa. Trois jours. Ainsi, ça fait prophétie, ça, non pas elle, bon. Quoi ça fait, oui? Et puis, mais, l'été prophétisé, il ressuscitera d'entre les morts. Il était prophétisé, oui? Prophétie, ça a été écrit dans Somme 16, verset 10. Somme 16, verset 10. Somme un tadou qui côté dans la Bible qui était prophétisé que Jésus-Christ a ressuscité. C'est pour dire Somme 16, verset 10. David qui écrit Somme. Et puis David dit comme ça, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et puis Pierre, je prends une côte là. Pierre prend Somme ça. Pierre dit mon yo, mais le David a écrit Somme 16, verset 10. Nous tous comprenons que David n'a pas parlé de tête li. Parce que tombe David dans le temps nous, et pas plus là lié. Vous comprenez? Pierre dit David, tu as parlé de l'autre monde. Moun ça c'est Jésus. Jésus ça qui ressuscité. Nous tous il ressuscité. Mais Pierre, ça a été bon, oui. Ouais, qui type de message d'après je prends compte là? Pour le montrer nous que ce n'est pas nous qui disons Somme 16, verset 10 là. Son prophétie sur la résurrection de Jésus-Christ. Les Pierre prêche, je prends compte là. Pierre prend Somme 16, verset 10 là. Il dit Somme ça à David écrit à David, pas ta parler de tête parce que David mourit, quoi David pourri. Il dit Moun qui pas pourri, c'est qui est ça? Jésus. Et si Somme 16, verset 10, tu es prophétisé que le t'a ressuscité. Et prophétie ça accompli dans Matthieu 28, verset 2, arrivé dans verset 7. Ça c'est chapitre résurrection Jésus-Christ côté que les mesdames yo dimanche matin bien bonheur al nan tombe nan avec Tiao Mathieu pour embaumer quoi d'après culture yo yo aller yo pas wè et puis yo fait un ange qui dit yo pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Venez voyez le lieu où on l'avait mis. Et allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité, etc. Ou est-ce qu'on voit ange là? Amen. Bah nous voit ange là, mes amis. Me fais effort. Écoutez donc, ainsi prophétie accomplie. Mon dernier prophétie, nous prêts? Qu'est-ce qu'il a deviné? Ah, nous a deviné ça. Prophétie te gint en bail qu'il remontera au ciel. Là pour remonter dans le ciel. Qui compte au qu'on est prophétie ça bail? Somme 24. Partie dans Somme qui dit porte élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Marc 16, verset 19. Luc 24, verset 51. Prophétie ça qui ça? L'y accompli. Et pas oublier, ça c'est. N'a pas parlé de l'ascension. L'ascension, c'est Jésus-Christ qui remonte au ciel. Mais toujours noter ça, pas oublier ça, pas dire ça. Jésus-Christ monté dans le ciel
après résurrection, il est monté deux fois. Pas oublier ça, non? Deux fois. OK? Première fois, il est monté dans le ciel après résurrection, c'est grand matin, il ressuscité. Le mari, et pas Marie, maman, non, l'autre Marie. Le mari est dans le jardin tombé. Li voyons un monde qui semble li penser son jardinier. Marie a crié, l'a demandé qui côté mettez mettre là. Et puis Marie tendait un monde qui dit Marie, et puis elle dit Rabouni. Et puis Marie allait pour toucher. Et puis Jésus qui dit Marie, pas toucher parce que m'poko monter. Mais elle dit disciple ça. Ainsi, imaginez, li dit Marie, pas toucher parce que m'poko monter. Et puis dans la soirée de la résurrection, dans la chambre haute, il paraît devant toutes disciples, ils diront ça, touchez-moi. Vous voyez? Dans la matinée, pas touchez-moi. Dans la soirée, touchez-moi. Les gens qui ont dit, pasteur, qui s'est passé entre matinée et soirée? Le Jésus-Christ ressuscité, c'est Hébreu chapitre 8 et chapitre 9 qui vous font comprendre ce qui est passé. Hébreu chapitre 8 et chapitre 9 fait comprendre que il y a un travail que Jésus-Christ doit faire lorsque il ressuscite. Il faut le monter dans le ciel pour le déposer seul sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance dans le tabernacle céleste. Sous pas de fait étude concernant tabernacle, I'm sorry for you, my friend. Ou al tekel sur YouTube, le tabernacle dans le désert. Tabernacle qui était dans le désert, là, c'était une photocopie de vrai tabernacle qui est dans le ciel. Là. Et c'est un propitiatoire, ça a les couvertures, l'arche, l'alliance. Là. Jésus-Christ doit prendre sang pour le déposer dans le lieu très saint au ciel, sur le propitiatoire du lieu très saint. Et lorsque le fin fait ça, c'est le ça, Hébreu chapitre 8 et chapitre 9, fait nous connaître que Jésus-Christ a traversé le ciel avec son propre sang. Ça n'est pas le sang des taureaux et des boucs. Le sang des taureaux et des boucs, c'est ce que vous mettez sur le propitiatoire du tabernacle terrestre. Mais le sang de l'agneau, il n'est pas qu'à aller sur le propitiatoire du tabernacle terrestre. Là, aller sur le propitiatoire du tabernacle céleste. C'est raison ça qui fait que, ou est que les Jésus qui se descendent, il était cas de disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Question, qui est le pouvoir? Qui est le pouvoir? L'Elmotea. Et si... L'ascension de Jésus-Christ, il y a eu une ascension privée le matin de la résurrection. Puis Jésus-Christ tournait dans la soirée. Il paraît à disciples, ça c'est une ascension privée. Privée. Et puis, il allait y avoir une ascension publique. Qui est-ce qui devinait qu'il y a l'ascension publique la fête? 40 jours après sa résurrection. 40 jours après sa résurrection, dans l'acte premier, Jésus-Christ montait sur le mont des Oliviers et des disciples. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins, Jérusalem, dans toute la queue de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Puis là, il finit par parler avec eux, ça passe. Il montait devant eux, il montait, l'aller. Puis deux hommes vêtus de blanc descendent, qui sont anges, et ils disent disciples. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est pas oublié ça, non? Jésus qui a effectué deux ascensions. Une privée, hein? Et une publique. Tout Dieu était réel. On lit intéressant, et même Jean tout, la seconde venue de Jésus-Christ aura deux phases. Deux phases. La seconde venue de Jésus-Christ aura deux phases. Il y a l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un retour comment? Privé, pour les croyants dans les airs, et puis il y a le retour personnel de Christ, 7 ans après la période de la tribulation.
Voici, il vient avec les nuées tout œil, tout yeux après elle, même ceux qui l'ont percé. Ainsi, écoutez, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Moi, je montre prophétiquement, Christ a fait ça pour le devine faire. Toute prophétie accomplie dans Christ là. L'Église face à la croix, chaque année, tradition, pote moun à l'Église. Yo met si radio, et tant que yo pral, yo vin nan enterrement Jésus. Non. Jésus mouri déjà. Toute prophétie Jésus accompli déjà. Kounya, c'est pas nous même kap gade la croix, c'est la croix kap gade nous. Et le la croix gade nous, qui sa la croix dit? La croix dit nous, qu'avez-vous fait de Jésus? Qu'avez-vous fait de Jésus? Et le n'a pas de concernant l'Église face à la croix, dans la période ça, à côté que nous pas approché vers la semaine sainte, gagnons évaluation que toute l'Église doit faire. Et mes évaluations pour me fermer. Premièrement, ça est important, oui, que tout le monde donne. Premièrement, il faut évaluer le message de l'Église. On nous tout dit message. Message. Est-ce que l'Église a prêché Christ? Le message de l'Église, c'est Christ. Jésus qui dit comme ça, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et s'il faut évaluer le message de l'Église, l'apôtre Paul dit comme ça, tout côté le passé, c'est Christ qui prêchait. Sa prédication, c'est la prédication de la croix. Écoutez, question, ça l'Église a prêché aujourd'hui à Zalier. Les la quoi a gardé l'Église? Christ mourit sous quoi? Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Les la quoi a gardé l'Église? Qui ça la quoi ouais dans son évaluation? D'un côté ou passé, il a prêché l'Évangile de thérapie. L'Évangile de thérapie. D'un côté ou passé, il a prêché l'Évangile de motivation. L'Évangile de prospérité. L'Évangile de santé. Gekoto passé, son l'Évangile qui est inventé. Regardez, que tout côté moun l'Église réalise bien que période ça, c'est période côté que la croix garde. La première chose qu'il faut évaluer, il faut évaluer le message de l'Église. Ça a prêché l'Église à s'allier. La gemoun a terre, elle est emmenée, by récréation, et rentrer dans toute sauce, sans que par exemple la croix va prêcher. Deuxièmement, non seulement il faut évaluer le message de l'Église, bah ça, là loin. Bon Dieu, pas voyez nous prêcher tête, non. Paul de Timothée prêche la parole. Est-ce que l'Église a prêché la parole? Les prophètes dans l'Ancien Testament qu'on a parlé, premier sac dans la bouche prophète, c'est ainsi parle l'Éternel. C'est le moment est arrivé pour évaluer le message de l'Église. Un message qui n'est pas centré sur la parole, un message qui n'est pas centré sur Christ, n'est pas le message de l'Église. Deuxièmement, il faut évaluer les membres de l'Église. On dit membres. Mais Mabdo, mais qui m'a nous là même? On sait ça, les membres de l'église. Sauf les qu'on est qui sont membres de l'église. Allez dans l'église primitive. L'église primitive. Dans acte 2, verset 41. Tandis qu'il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Mes membres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils se partageaient la nourriture entre tous, etc. Pas même besoin de dire ce verset, non, verset 46, c'est comme ça, il dit comme ça. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mes amis, ils persévéraient. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ils étaient chaque jour assidus au temple.
Et l'église à nous, quand l'église passe même, à part l'église sauvée, nous avons un petit monde qui est sauvé, à part l'église sauvée, ça dans les membres de l'église là, pas ça même non. Et son côté, quelques mon inscrit, et puis parfois ils font passer. Mais ça, l'église, je veux dire, en côté, il y a un groupe mon inscrit, puis parfois ils font passer. Il faut évaluer les membres de l'église. Les membres de l'église. Parce que, mes bien-aimés, dernière fois, je me dis la Bible dans Matthieu 28, verset 19, 20, Jésus dit comme ça, allez, faites de toutes les nations qui ça, des disciples. Les membres des églises doivent être des disciples, des élèves qui suivent le maître. Il dit, les baptisants, qui fait que vous identifiez à l'église, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il dit, et enseignez-le. Ouais, enseignez. Yon membre d'église doit rester dans l'enseignement. Il y a deux bagages qui caractérisent un membre d'église. L'enseignement et l'engagement. Vous entendez bien? Enseignement, engagement. Et deux bagages sérieux, c'est qu'ils soient cherchés ou pas venir. Et peut-être ça nous va. Puis il faut l'église pas un bon membre. Yon pas chita pour recevoir l'enseignement. Et yon pas un engagement. Engagement, ils sont les commitments. Non, puis faut l'église. Altier qui maladie, puis faut l'église rien. Mon yo pas committed. Yo pas ka commit. Yo seulement dit, moi là oui, mais pas mettre dans rien. Nous comprenez? Nous comprenez? Depuis le vocabulaire c'est moi là, pas mettre dans rien. Lack of commitment. Ainsi, il faut évaluer qui c'est encore? Le message de l'église. Il faut évaluer qui c'est encore? Les membres de l'église. Troisièmement. Il faut évaluer le ministère de l'Église. On nous dit ministère. Ministère. Des fois, on dit ministère, ministéré. Avec des services. Qui service l'Église baille? L'Église baille service pour l'homme. Service l'Église baille à son service spirituel que lié. L'Église baille service pour l'homme. L'Église baille service pour nous sauver. C'est toujours l'édification des saints, l'évangélisation des pécheurs, l'exaltation du Sauveur. L'Église baille service pour l'homme. Gain service l'Église baille. Quelque l'Église baille, n'est pas service ça. Bible a rendez pour l'Église baille. L'Église prend institution, vous devez mettre sous terre pour baille pain avec fromage. Et mon grand goût, l'Église gain droit participer dans aider yo joindre manger. Mais baille manger pas ministère l'Église. Et avant l'Église grand ministère social. L'Église, gon ministère d'évangélisation. Et si pendant après évangéliser ou avec mon grand goût, ou bah ou manger, mais ministère premier à se évangéliser. Ainsi, il faut évaluer le ministère de l'Église. Et gen bagay, groupe l'Église a fait, première question, groupe l'Église a demandé tête li avant que l'agit, est-ce que ça m'bral fait à rentrer dans qui ça? Dans le ministère de l'Église. Ministère de l'Église qui s'allie, évangéliser les pécheurs, édifier les saints, équiper les serviteurs, exalter le Sauveur. Si son prêt à le faire, pas rentrer dans le service, l'Église doit bail, et pas de l'Église qu'on a parlé. Ainsi, il faut évaluer le ministère de l'Église. Le ministère de l'Église, c'est pas récréation, non? Récréation. C'est ici, en pile côté, c'est récréation. Nous, on a les récréations. En pile danser, en pile relamouer, mon yo sué, ça seulement récréation. Mon yo baron ça, qui service l'église baille. Yo pense service l'église baille, c'est guérison. L'église baille, c'est guérison pas entrer dans ministère l'église. Guérison son bagaille, bon Dieu, te compte toujours faire, suivant volonté. Mais ça pas entrer dans la grande commission. Guérison divine pas entrer dans la grande commission. La grande commission, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Et si, font l'église évaluer, messagerie, font l'église évaluer qui ça? Membli, font l'église évaluer qui ça? Ministère, Non seulement il faut évaluer le message de l'église, non seulement il faut évaluer les membres de l'église, non seulement il faut évaluer le ministère de l'église, mais causer. Il faut évaluer les ministres de l'Église. On qu'est-ce qui est ministre? Mon gars, bail service.
commencer dans pasteur, descendre sous prédicateur, passer sous jack, moun kap bay service, il faut évaluer. Bagala trop facile dans communauté nous. Pour qui ça n'importe moun ka ériger comme pasteur? Puis personne bay évaluer. C'est pas normal. Ou allons pont pour le faire gaz, ou évaluer gaz là avant mettre dans la machine. Ou évaluer est-ce qu'on prend 87 là, est-ce qu'on prend 89 là, est-ce qu'on prend whatever. Ou évaluer avant mettre dans la machine. Si la machine prend gazoline, ou pas qu'on mette diesel. All right? So what does that mean? Nous font meilleure gestion de machine nous que nous fait de nom nous. Pour qui ça yon moun permettre que n'importe moun mette gaz livlé nan nom li? Nous captez? Est-ce que ça fait sens pour nous? Ou al koute n'importe moun sur YouTube ou al nan l'église n'importe côté ou kite n'importe moun a pense yo, li di salvle parce que li bon feeling ou ap tremble ou senti chevo ap kite potet ou di oh the spirit is here. Abdo, et parce que chevo ap kite potet ou ki fait the spirit is here. Son bête kap kouri de yo, son chien méchant ap kouri de yo, chevo ap leve sou tête ou. It's not the spirit that is here. C'est peur, peur. Il est vrai que à un certain niveau, au cas arrivé non niveau spirituel, côté qu'on sent tout vibrer, qu'on sent tout tressaillir de joie. Mais écoutez bien, la fin ne justifie pas les moyens. Ça qui veut dire que c'est pas parce que l'on dit la fin justifie les moyens, ça explique que depuis tête me tremble, depuis mon chair de poule ou de spiritiser. Non. L'esprit là, mais côté l'esprit là, l'esprit était côté parole là. Les paroles mon Dieu prêcher enseigner, l'esprit dit quitte-moi non, on t'y côté m'rété. Le il a annoncé Jésus, l'esprit dit comme ça, quitte-moi non t'y côté m'rété parce que l'esprit vini sous terre pour glorifier Jésus. Nous comprenons? Qui veut que c'est toute bagaille ça au besoin mettre en compte. Faut mon loi évaluer les ministres de Dieu, c'est pour qu'a dit comme ça. Parole là bas à côté le joindre. Est-ce qu'elle a enseigné parole là? Est-ce qu'elle connaît parole là? Est-ce que le ministre de Dieu a bon parole là? Ou capable, comme les chrétiens de Béret, ou à la caillou pour évaluer le ministre là? Le chrétien, le membre d'église droit, a le droit d'évaluer ses ministres. Dans Acte 17, verset 1er, il est dit des chrétiens de Béret. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que Paul leur disait était vrai. Ou pour qui raison? Je dis, en pile côté, ils n'ont pas même pris le temps pour analyser encore. Ils n'ont pas posé question. Non! Moment arrivé pour nous évaluer. Parce que l'Église est face à la croix. Jésus-Christ mourit déjà, l'Église est déjà, financière déjà, l'apôtre est venu chercher nous, l'Église face à la croix, nous sommes prouvés, nous, toute profession est accomplie dans Jésus. Moment que nous approchons des semaines saintes, ce n'est pas au moment pour nous faire des figures nous pauvres, tant qu'on a dit Jésus-Christ est mort encore. Non, son moment de commémoration, son moment de réflexion, son moment de célébration, certes, sa célébration de sa résurrection, mais plus que toute l'autre barrière, ajoutez, reste à moi, son moment d'évaluation. Et qu'est-ce qu'il faut évaluer? Je ferme mes classes. Il faut évaluer le message de l'Église. Il faut évaluer les membres de l'Église. Il faut évaluer le ministère de l'Église. Il faut évaluer les ministres de l'Église. Et là, moi, dans ce cas, Ephésiens 5, verset 25, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est une étude liée. Je ne vais pas quitter nous si nous avons une réflexion qui vient de penser nous pour nous battre nous. Si nous avons une chose que nous avons ajouté, si nous avons une question, qui ça nous est? Et pendant que nous avons exposé ça, et je ne vais pas quitter au sang. Ou pas d'anyen. Si ou pas d'anyen pour dire, m'a fermé. Ce qui yon barre derrière. Ou m'a dit, m'a répété dans le micro, parce que nous n'avons pas l'autre micro disponible à ce soir là. Alors, on a parlé de ministère,
vinaigre là, hein? OK. Vinaigre. OK, vinaigre que te bay Jésus-Christ a, c'était une boisson qui t'ai gagné yon capacité pour apaiser douleur, pour apaiser crucifixion te tellement atroce. Et yo te dit ça au moins, il y a font ti bagaille pour crucifier yo, il y a ba yon ti bagaille pour capable pon ti souffle. Parce que objectif crucifixion, c'était faut souffrir jusqu'à ce qu'on mouri. Plus yon kaken bon sou kwa pour souffrir, c'est pi bon le pi bon. Pour tout qu'on a gardé ou, gardé vagabond, ah yon pon vrai, vous comprenez? Yon te kan coupé tête ou, et tout yon l'autre jambe, mais pour qui ça yon crucifio? La crucifixion c'était une mort lente. Parce que son mort lente, yon kenbe crucifié à sou kwa, lève les failles, yon ballon ti vinaigre. Et qui gagne une capacité pour un peu apaiser, pas apaiser douleur là, grandement non, bah on tient apaisement. Mais Jésus-Christ pas prend route ça, parce que les prend souffrance jusqu'à là, lui, elle y est, j'en comprends. Ça sont belles questions. Frère Ounel. Hein, concernant la prophétie, hein? OK, frère Onel pose la question, l'on réalise toute prophétie qui est accomplie dans contexte Jésus-Christ, combien de prophéties qui étaient qui doit accomplir pour Jésus-Christ tout né. Frère Onel, pas connaît, mais seul ça qui est clair. Toute prophétie qui gain pour avec Jésus-Christ y a accompli. Maintenant, dans 2 Pierre 3 verset 9, mais ça qui est écrit, 2 Pierre 3, verset 9. Il dit comme ça, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. » Ça, c'est bien pour avec la promesse de son retour. Il dit, « Mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Mais ça qui est réalité. Prophétiquement, il y a un paquet de bagailles, le nom de l'Apocalypse, nous voyons, par rapport à ce qui a passé dans le monde, nous avons toute mise en place faite déjà pour Jésus-Christ apparaître. Mais il est un fait, même lorsque nous avons signe de la fin des temps, nous avons gardé à l'œil nu, il est un fait. Tu as une parole, Jésus-Christ te dit, quant à jour, quant à l'heure que je vais me donner, personne ne connaît. Jésus-Christ était sous terre, dans son humanité, il était bloqué tête pour le déconner. Ça, c'est une cause, oui. Jésus-Christ bloqué tête dans son humanité pour le déconner qu'il est là pour tourner. Et ça, qu'elle a dit comme ça, même le Fils, pas qu'on est même le Père seul. C'est parce qu'il faisait cette déclaration dans son humanité. Parce qu'elle était dans la dimension humaine. Il s'était dépouillé de sa gloire. Et si, sous tata de jour, il y a un monde où Jésus-Christ a venu, tel, et bien, monde, ça a parlé de la Bible. Nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas le jour, nous ne savons pas la date. Mais nous sommes signes. Nous ne savons pas qui est l'heure la pluie à venir. Mais le grand Jean est en marée. Vous comprenez, frère Onel? Le grand Jean est en marée, on dit pour di, nous sommes en période, frère Onel. Nous sommes en période côté que tant marée en pile. Tant marée en pile en Israël. Tant marée en pile au Moyen-Orient. Tant marée en pile dans le monde. Et un chrétien doit chaque jour lever pour di. Il faut toujours marcher avec attitude ça. Pour dire, ce n'est pas aujourd'hui. Et le conseil, il faut toujours marcher, tout sauver, tout parer. Ça, c'est réponse à la question. Je crois que nous avons été là pour assurer, ce n'est pas une autre question. Frère Mangela Baydenier. Seconde venue de Jésus-Christ, et si c'est le cas, il ne va pas être la seconde venue.
OK. 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 Question frère m'a posé à son question qui vient pour avec un éclaircissement sur la venue de Jésus-Christ. Pour nous te connaître que le Jésus-Christ est ressuscité, il était fait un coup de pied dans le ciel là le tourner. Ça que fait taille comme ça, c'est étude biblique qui pourrait nous comprendre ça avec recherche. Ça est tout simple. Matin, il démarre pas toucher, en assol de toucher. Et qui côté à l'ouest ça, c'est dans Hébreux 8 verset Hébreux chapitre 2 Hébreux chapitre 9 qui dit il a traversé les cieux. Ça son bagarre à part que les frères man. Mais quant à sa seconde venue, la déclaration est publique et cette déclaration était faite après sa résurrection. Et pas avant, après sa résurrection. Après sa résurrection, Jésus-Christ sur le mont des Oliviers, 40 jours après sa résurrection, Jésus-Christ monté. Ça, c'est l'ascension publique. Là, il fait monter deux hommes vêtus de blanc. Frère man, deux hommes vêtus de blanc. Descendent. Il dit, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière. Ça, c'est la seconde venue de Christ. Ça, c'est pas une blague là-dedans. Ce Jésus. Et si les anges l'ont dit, l'apôtre Paul l'a prêché, 1 Corinthiens 15, 50, 51, 1 Thessaloniciens 4, 14, 16, ça c'est la seconde venue de Christ. Qui a deux phases, l'enlèvement, l'église qui a monté dans les airs, et puis le retour public s'étend après la période de la tribulation. Ainsi, la Bible explique la Bible. Il est un fait que, pas qu'un menti dans ça, que le matin de la résurrection, il est monté, il est redescendu. Ça c'est pas un retour prophétique. Ça, c'est un retour dans le contexte de la dans le contexte de Jésus-Christ lui-même. Et m'a fermé avec question ça. Moi, je viens là, gagnons mon qui pose une question en ligne, dit ça. Moi, pas d'accord non à question la journée que l'Éternel a faite là. Et pas d'accord que c'est dimanche. Et puis frère a dit comme ça, journée la paléa, c'est jour Jésus te prend place bête qui te consacrifié yo. OK. Mais ça crivé. Yon moun pa gen droit. Personne sous la terre pas gain droit faire opinion autour de la Bible. Bible a pas besoin d'aide. La Bible explique la Bible. Ou de dépôt mon coller, c'est pour chercher la Bible là, parce que la Bible explique la Bible. Parce que auditeur ça cap suivre, il dit pas d'accord mais il pas opinion. Ou pas gain droit pas d'accord pour opinion, même qui remis micro bar avec ça. Ou pas d'accord pas opinion. Sou pas d'accord pour un verset. Bible a fait qu'on est dans Somme 16, verset 10, Jésus-Christ a ressuscité. Dans Somme 118, il dit comme ça, la pierre qu'on rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. C'est de, la pierre est devenue la principale de langue. Ça me explique nous lit. Il n'est pas devenu la principale de langue, il a été sacrifié là. Pierre là, tourné dans la muraille là, ça qui passe. Il a ressuscité là. Et puis il dit comme ça, c'est ici la journée que l'Éternel a fait. Qui journée qu'elle fait? Journée l'Éternel fait. Et pas journée là, il était crucifié là. Son journée, il était crucifié là, son journée qui était triste. Hein? Journée était crucifié là. Je parle avec monsieur qui pose des questions. Il compte être là. Je cite non. Journée était crucifié là. Et on sait journée ça pour tourner pour nos journées d'allégresse et de joie. Est-ce qu'il y a des gens qui posent des questions en contradiction? Journée était crucifié là, pas capable de journée d'allégresse et de joie. Vraie journée qui pour une journée d'allégresse et de joie, c'est journée côté qui ça? Le ressuscité. Nous, est-ce le bon? La Bible explique qui ça? La Bible. Mes amis, en tout cas, moi remercie serviteur pour question, mais opinion, pas qu'à la Bible, parce que la Bible explique la Bible. Mes amis, je ne vais pas prendre question encore, m'apprêter là, parce que l'heure est avancée. Que mon Dieu bénisse nous, on nous campé, on a pu fermer avec yon chant, et puis songer. Moment ça, son moment d'évaluation. Il faut évaluer le message de l'Église. Bon, toujours non. Il faut évaluer les membres de l'Église. Il faut évaluer le ministère de l'Église. Il faut évaluer les ministres de l'Église. Ça, c'est une étude pour aller étendre, oui. Que mon Dieu bénisse. 307 Français. Et puis, on a fermé. Et puis, sous une offrande, on a déplacé, on a déposé le derrière. Et pour nous-mêmes, ou bien sous table là, sous table qui derrière. 307 Français. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel, mais nous n'achantons toi. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu.
de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Saint Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Amen. Il y a une auditrice qui t'a posé la question. Il m'a dit, est-ce que religion, judaïsme, judaïsant, est en Israël toujours? Oui, il est toujours en Israël. Judaïsme, dans la mesure où nous continuons dans la synagogue, il n'y a pas quoi que Jésus-Christ est venu. Mais gloire à Dieu, nous croyons qu'il est venu. Il est mort, il est mort dans le ciel, il est tourné. Amen. Pas oublier, samedi, ça, 7h, nous avons célébré Priest Concert. Et tout le est prêt pour le concert là. Et dans l'auditorium Grace Church. Et, ou même qui en ligne nous invite, ou même qui dans la communauté nous invite, tout le membre de l'église a déjà connu pour là. Maintenant, pour la même pour me compter, tout le membre de l'église là, qui vient dans le concert là. Parce que faut là, parce que Jésus qu'on a ressuscité, faut là. Merci Seigneur pour grâce, nous prenons la caille, nous bénissons pour nous capables de une bonne nuit. Alors, bon Seigneur, fait que le moment ça capable un moment qui dépassait tout l'autre moment. Dans ce moment de commémoration, commémoration, méditation, réflexion, mais surtout et surtout, il y a un moment d'évaluation. Bénis-nous, banon, bonne fin de semaine. Merci pour le groupe Mounsa qui était là. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint reste et repose sur nos cœurs en Jésus qui les a présents éternellement. Amen. Mon Dieu bénis. Amen.